Hey, mais c'est l'homme à la spatule. C'est la spatule. Tous ensemble réunis, on va attaquer encore une petite recette, hein, on va faire... Et ça, monsieur spatule, ça sert à quoi? Ça, c'est un des copains. Ça, c'est vraiment super marrant. Je te vois venir, coquinou. Toi, tu dois penser encore que ceci est un pinceau de peintre. C'est quoi ces poils, ce tombe-là là? Il ne peut pas peindre les écureuils morts, moi, mec. Il ne peut pas peindre, il ne voit pas son sexe. Et non, c'est un des copains. Ça sert à faire des décorations. Épisode un peu particulier, aujourd'hui nous avons le décopène, donc on va faire quelque chose de très artistique. Donc j'ai appelé mon artiste, mon Polo, mon graffeur. Ça va Polo? Ça va, tranquille, et toi, qu'est-ce que tu deviens? Ouais, ouais, c'est bien ça, rien. Il va falloir commencer à travailler un jour. Eh hein. Oui. Mon petit... mon petit Polo, on a le décopène. Okay. J'ai mis du ketchup à l'intérieur. Là j'ai mis une grande assiette de tomates du basilic. Pas plus. Ok. Donc, je te passe ça, et j'ai envie de te dire, démerde-toi. Impeccable ça! Next! Ouais, super, c'est génial! Chocolat maintenant. Donc, Polo, t'as du chocolat, il te suffit de. Tu sais, de. Tu fais les. Débrouille-toi. Vas-y. Ouais, c'est bien, j'ai pas vu, là, t'as mis les fleurs et tout, là, c'est pas mal. Expression libre. Ouais. Oh, Polo. Oh Paul, sors. Non, j'en peux plus, sors. M'en fous, sors. Et n'oubliez pas qu'avec l'homme à la spatule, la cuisine est une fête. Oh, Polo.